confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Thank you.
et le nombre. Thank you.
Eucharistie, gage de la résurrection. Du traité de Saint-Irénée contre les hérésies. Si la chair ne peut être sauvée, alors le Seigneur ne vous a pas racheté par son sang. La coupe de l'Eucharistie n'est pas communion à son sang, ni le pain que nous mangeons, communion à son corps. Car le sang n'en est pas, s'il devient du vin, de chair et du reste de la substance humaine. Et c'est pour être vraiment devenu cela que le Verbe de Dieu nous a rachetés par son sang. Ainsi que dit l'apôtre, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés. Parce que nous sommes ses membres et que nous sommes nourris par la création, cette création qu'il nous donne lui-même, en faisant lever son soleil et pleuvoir comme il le veut, il a confirmé que la coupe qui provient de la création était son sang, par lequel se fortifie notre sang. Il a confirmé que le pain qui provient de la création est pour son corps, par lequel il fortifie notre corps. Si la coupe qui a été mélangée et si le pain qui a été fait reçoivent le Verbe de Dieu et deviennent l'Eucharistie du sang et du corps de Christ, qui fortifie et affermit notre substance, comment peut-on dire que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu, qui est la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie par le sang et le corps de Christ et en est le nom? Voici ce que dit le bienheureux apôtre à ce sujet dans la lettre aux Éphésiens. Nous sommes des membres de son corps, formés de sa chair et de ses yeux. Ce n'est pas de je ne sais quel homme spirituel et invisible qu'il dit cela, car un esprit n'a ni aussi chair, mais il parle de l'organisme authentiquement humain qui est constitué de chair, de nerfs et d'os. Qui est nourri par la coupe qui est son sang et fortifié par le pain qui est son corps. Le bois de la vigne, après avoir été couché sur le sol, porte du fruit en son corps. Le grain de blé tombé en terre et là, d'ici, ressurgit multiplié par l'Esprit de Dieu qui continue. Ensuite, grâce au savoir des hommes, il sert alors
sa toute-puissance éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Amen. Regina Trilli.